De prendre la parole. En ce jour où nous lançons les activités de l'édition 2019 de la Semaine africaine des sciences au Togo. On veut encourager l'excellence auprès de cette génération. Donc, nous avons primé les 3 meilleurs élèves de cette école, le premier au CEPD, le premier au BOPC et le premier au baccalauréat première partie, tous de l'année dernière. Je dois travailler dans toutes les matières, plus précisément dans les matières scientifiques. SVT, maths et physique. Je pense que désormais, ils seront intéressés plus dans les sciences. Et beaucoup même vont se précipiter l'année prochaine à s'inscrire dans les séries scientifiques. Et en l'occurrence, les jeunes filles. Nous allons promouvoir les jeunes filles à s'intéresser à la science surtout. Nous sommes très ravis. Nous pensons que la jeunesse scientifique a de l'avenir et tout ce que nous avons visité dans les stands, ça vraiment nous a beaucoup émerveillés. Et nous pensons qu'il y a vraiment des compétences que nos jeunes scientifiques peuvent développer pour faire émerger notre communauté ou notre pays. Nous sommes en train de promouvoir une science pratique et cette science-là doit contribuer au développement de notre communauté. Voilà pourquoi nous avons marqué notre passage par l'inauguration de ce forage-là que nous avons offert à cet établissement. Désormais, nos enfants ne vont plus utiliser l'énergie physique pour pomper, mais ce serait facile pour eux de tourner juste le robinet. On ne peut pas parler de développement sans parler de science. Donc, il faut déjà consolider cette éducation scientifique auprès de ces enfants afin qu'ils puissent contribuer au développement de notre pays.